On va vous présenter un témoignage, en fait. Donc, pour pouvoir... l'objectif du témoignage, un peu, c'est de parler des obstacles, des difficultés, en fait, qui peuvent être rencontrées par les personnes en situation de handicap dans un logement qui est inadéquat, mais aussi d'arriver avec des éléments qui peuvent faciliter l'autonomie. Donc, j'ai ici à côté de moi M. André Otis, qui réside dans une coopérative d'habitation, mais qui, en plus... fait partie des membres fondateurs de cette coop. Donc, M. Otis, la parole est à vous. Merci. OK. Quand fut le temps de choisir un logement accessible, je me suis tourné vers la coopérative et surtout vers les coopératives exclusivement faites, vers les coopératives qui n'étaient pas construites, qui étaient en construction, parce que je voulais un logement parfaitement accessible, exactement comme le disait mon écothérapeute. Je n'ai pas choisi la coopérative seulement pour ça, aussi pour le milieu de vie qu'elle apportait, pour les valeurs de partage aussi, parce que je viens du milieu associatif. Et ça me parle un peu les valeurs de la coopérative. En fait, la coopérative a de très grands avantages pour une personne handicapée. Mais, et j'allais le découvrir un peu plus tard, elle a aussi des désavantages aussi grands. En fait, j'ai identifié deux grands problèmes dans la façon de faire des gens qui développent des projets de coopérative. Le premier... on a un problème de recrutement des personnes handicapées. Et je m'en suis rendu compte parce que j'étais, à ce moment-là, très actif dans le comité sélection de ma coopérative. Alors, on disait tout le temps, « Ah, il manque de personnes handicapées, en connaissez-vous? Dites-leur de venir, ils n'auront pas à passer d'entrevue de groupe. Ils vont passer une entrevue individuelle seulement, puis on va les accepter presque d'emblée. Mais la solution à ça, c'est très simple. Il faudrait de meilleures relations entre les GRT et les associations. Il faudrait des soirées d'information dans le cadre des activités d'association. Et il faudrait que les associations sachent exactement quand sont ces soirées d'information, quand sont les assemblées de fondation des coopératives et comment devenir membre d'une coopérative. Parce que là, les personnes handicapées, très souvent, ne savent même pas que telle coopérative recrute ou que telle coopérative vient naître. C'est assez décevant. Ça amène souvent, et ça arrive très, 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 très souvent, que les logements adaptables sont... occupés par des personnes qui n'ont pas de handicap. Parce qu'on ne trouve pas de personnes handicapées. Le deuxième problème, il est beaucoup plus important que ça. C'est une perte d'information entre le rapport d'écothérapie et le plan final de l'architecte. C'est étonnant parfois. Je vais partir de mon expérience personnelle pour essayer d'illustrer ce problème-là. On va aller vite sur les premières étapes, là. Je deviens membre de la coopérative en mai 2015. Un mois plus tard, je donne mon rapport d'écothérapie très précis, avec des mesures, un rapport assez volumineux.
Puis j'ai choisi mon appartement à partir des plans. Même si tous les appartements datables sont à l'étage et que je ne sais pas ce quoi, je me renseigne quand même sur les ascenseurs. Est-ce que la cabine est assez grande? Est-ce qu'il y a deux cabines? Parce qu'il y en a une qui doit fonctionner quand il y a des pannes d'électricité. Parce que s'il y a un feu, puis il n'y a plus d'électricité, je brûle dans mon appartement. Si c'est pas. Si ça ne fonctionne pas. Ensuite, j'ai choisi mon appartement, comme je disais, un appartement qui est supposé être parfaitement adapté. On le garantit. Après plusieurs retards de construction, parce qu'à l'époque, la coopérative sort à peine de terre, l'édifice sort à peine de terre. Il n'y a que les fondations qui sont faites. Après plusieurs retards de construction, 2 ans plus tard, c'est les premières visites de logements. Évidemment, tous les logements ne sont pas terminés. Il y a quelques logements, un chaque type, qu'on peut visiter. Mais les logements pour personnes handicapées sont moins avancés que les autres. On peut juste passer d'appartement à appartement, prendre des mesures, mais il n'y a rien de fait. Hein? L'électricité n'est pas entrée, il n'y a rien de fait. En 2018, en décembre 2018, c'est la deuxième visite. Alors là, moi, je me dis, c'est la deuxième visite, ça va être la visite de validation avec mon ergothérapeute. Et comme la visite doit avoir lieu un dimanche, j'appelle la GRT et je prends un autre rendez-vous pour la semaine. On me dit, OK, tu vas venir avec ton ergothérapeute pour valider. On va attendre 2-3 semaines pour être sûr que tout est fait. Pas de problème. Alors, avant d'y aller, 2 semaines plus tard, je confirme. On me dit, OK, tu peux venir. J'arrive là, il n'y a rien de fait. Rien de fait. Non, il y a 4 choses de fait, mais ils sont mal faites. Le meuble de la chambre de bain est installé, mais il n'y a aucun dégagement pour les jambes. Le comptoir de la cuisine est installé, mais le dégagement pour les jambes sous l'évier est trop bas. Les genoux me frappent sur le montant. Il y a un pied entre l'appartement et le balcon. En tout cas, il y a plusieurs choses comme ça. Fait que mon ergothérapeute, là, elle est un peu choquée qu'on l'ait fait venir pour rien. Fait que là, pour les quelques défauts qu'on a vus, les choses qui étaient faites, elle écrit une lettre à la GRT avec copie conforme à la Ville de Montréal pour dire il y a telle chose qui ne sont pas correctes. Quelques jours plus tard, ça n'a pas pris de temps, la GRT nous écrit pour dire « Tout va être réglé quand vous allez entrer dans l'appartement. » Hey, là, je suis sûr que c'est pas vrai. En tout cas, on entre en appartement en février 2019. Évidemment, tout est fait, mais tout est très mal fait. D'abord, la porte électrique, elle accroche, puis elle accroche tout le temps. Puis le programme s'aggrave de jour en jour.
la cuisine, elle n'est pas faite comme j'avais demandé. Mais je me dis, oh, je choisis mes combats. Il y en a des. Il y a des problèmes pires que la cuisine. La toilette, les bords d'appui sont mal positionnés, pas aux endroits où je voulais. Pourtant, c'était bien spécifié dans mon rapport d'ergothérapeute, d'ergothérapie. La toilette est trop basse. Je ne peux pas l'utiliser tout seul parce qu'elle est trop basse. J'ai pensé pouvoir le faire à un moment donné en enlevant le coussin de mon fauteuil pour m'asseoir, pour baisser la hauteur de mon fauteuil par rapport à la toilette. Mais après quelques semaines, le velcro m'a fait des plaies, de grands plaies qui ont pris des mois à guérir. Puis le balcon n'a jamais été arrangé, n'aura jamais été accessibilisé. Ils ont placé des rampes pour aller sur le balcon, mais ces rampes-là sont tellement à pic que je ne peux presque pas les utiliser. J'ai essayé de les utiliser. Pour aller sur le balcon, aucun problème. Mais on ne revient pas. Parce que la rampe est trop importante. Alors là, après quelques temps de découragement, je me fais une stratégie. Puis je commence. Première étape, je vais voir le comité d'entretien qui est responsable des réparations. On me dit, tu fais des rapports de défauts, là, puis ça prend un an avant de se régler. Mais un an, c'est long. Pas de toilette, hein? C'est très long. Puis il dit, si on dit que c'est très pressé, il dit, ça va prendre 12 mois. Mais je dis, va passer à l'autre étape. Fait que là, l'autre étape est plus normale, je suis allé voir le comité d'accessibilité. Parce qu'on a un comité AU à la coopérative. La coopérative, en fait, le conseil d'administration, il est très ouvert à la problématique des personnes handicapées. Mais il peut pas faire grand-chose pour nous aider. Parce que là, je vais au comité d'accessibilité. Quand on lit l'ordre du jour, je lève ma main, je demande une modification, j'obtiens la modification. Et quand le point arrive, j'explique. Mais mon problème. Mais là, je m'aperçois que tout le monde a le même problème. J'étais pas tout seul, là, tout le monde. Puis moi, c'est de la toilette, moi, c'est autre chose. En tout cas, fait qu'il y en a qui dit, on va faire une liste, on va aller voir tous les logements adaptables, on va faire une liste. Puis on va aller porter ça au conseil d'administration. Toutefois, même si le conseil d'administration est très ouvert à notre problématique, il ne peut rien faire. Il nous dit simplement que la solution à notre problème, c'est peut-être d'engager un entrepreneur privé pour régler tous ces problèmes-là. Mais ça prend de l'argent, hein? Fait que, comme on n'a pas d'argent, je passe à l'autre étape. L'autre étape, c'est d'aller directement à la GRT. Je les appelle continuellement. Puis toutes les personnes handicapées font la même chose. La pression est immense, mais c'est très long. C'est très long d'avoir des réponses
En tout cas, on persiste, quand on est résilient, on persiste et on persiste. Finalement, il décide de bouger un petit peu. Fait que là, pour ma toilette, c'est la principale chose. Fait que je demande qu'est-ce qu'ils ont proposé. On propose d'abord, pour élever la toilette, soit un disque élévateur ou soit un siège élévateur. Mais le siège élévateur, je ne peux pas l'utiliser parce que j'ai trop d'espace. Fait qu'il ne colle pas, il revole, c'est très dangereux. Le disque élévateur qui est sous la cuvette empêche le fauteuil roulant de s'approcher pour faire le transfert. C'est pas bon. Alors, on me dit, là, si tu as trop d'espace, on va coller le siège élévateur avec la colle forte, comme ça, il ne bougera pas. Fait que j'ai dit, pour l'instant, ça va être pas pire. Fait qu'on essaie ça, mais ça ne colle pas sur la porcelaine. Fait que je me suis cassé la gueule une couple de fois, là. Puis j'ai dit, bon, ben là, on passe à autre chose, là. Là, j'ai dit, il faudrait changer la toilette. Il faudrait mettre une plus haute. Mais ils n'ont pas trouvé au Québec des toilettes surélevées. J'ai dit, OK. J'ai dit, moi, je vais m'en charger si vous n'êtes pas capable de me proposer quelque chose de bon. Fait que moi, j'ai appelé aux États-Unis, je me suis fait venir une toilette, je l'ai fait installer et j'aurais refilé de la facture. Finalement, au bout de 2 mois, ils ont payé la toilette. Entre-temps, ma voisine, qui a exactement le même problème, est venue voir ma toilette. Elle l'a trouvée belle, elle l'a trouvée parfaite. Fait qu'on a commandé une toilette aux États-Unis. On l'a fait venir, on l'a fait installer et on leur a refilé la facture. Elle a été payée au bout de 2 mois. Bon. Là, il y avait les bancs d'appui aussi qu'il fallait régler. Si on montait la toilette, il fallait monter les bancs d'appui aussi. Et cette fois-là, bien les positionner. Alors, j'ai accepté d'envoyer un ouvrier pour faire ça chez moi. Puis j'ai 4-5 autres personnes handicapées aussi. On est rendu à plusieurs milliers de dollars, là. Mais la toilette, ça se règle. Ensuite, il y a la porte. Là, la porte, j'ai dit que ça s'aggravait de jour en jour. Elle n'accroche plus la porte, là. Elle n'ouvre plus. Là, elle colle, quand c'est humide surtout, elle colle, puis je peux pas l'ouvrir. Fait que je reste enfermé dans mon logement pour plusieurs jours. C'est dangereux, ça. C'est pas sécuritaire. Puis surtout, quand je veux sortir, je suis obligé d'appeler quelqu'un pour ouvrir la porte. Quand je reviens, je vais voir celui qui a les clés pour qu'il ouvre la porte avec un petit coup d'épaule dans la porte pour être sûr qu'elle ouvre bien. Là, ils sont tannés, hein? Là, ils ont vu que c'est fatigué une porte qui n'ouvre pas. Ils ont décidé de faire quelque chose. Ils ont envoyé le contracteur en chef. Parce que c'est sa porte, la porte est croche, puis elle ouvre mal. Il est venu une fois en personne pour limer la porte de métal pour qu'elle puisse ouvrir. Ça a marché 2 jours, 3 jours pour s'ouvrir. Après ça, elle ne s'ouvrait plus. Là, il est revenu une semaine plus tard. Là, il a essayé d'élargir le cadre de porte
en coupant les quarts de rond puis les plaintes. Puis comme là, ça marchait 2 jours, puis après, ça ne marchait plus, le quart des revenus. Fait que c'est le type qui avait installé la porte qui est venu. Puis là, il a regardé ça, il a fait des analyses scientifiques. Il a dit, bon, mais là, c'est parce qu'il y a une pression négative. L'air empêche la porte d'ouvrir. Mais là, il faudrait appeler la compagnie pour qu'elle vienne, la compagnie qui a fabriqué la porte, pour qu'elle vienne pour ajuster le moteur. On en est là, ils ne sont pas encore venus. Puis ça va prendre plusieurs mois avant que ça se règle. Parce que chez nous, ça ne va pas vite. Pour ce qui est du balcon à réparer, encore là, ils ont décidé d'engager un entrepreneur privé pour faire les travaux, comme disait le CA. Mais encore là, ce n'est pas réglé. Ça va se régler dans plusieurs mois. Moi, je suis coordonnateur du comité accessibilité là-bas, à la coopérative, et on a des dossiers jusqu'au plafond pour très longtemps. Ils n'ont pas fini avec nous autres, la coopérative. Merci, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va passer à la prochaine étape, qui est un panel. Donc, je vais inviter nos 4 panélistes à venir s'installer, en fait, en demi-cercle. Donc, dans ce panel, chaque panéliste va avoir 2 questions à répondre dans la même... dans le même souffle, disons, entre 3 à 5 minutes par panéliste. Moi, je vais être là plus pour guider le temps et puis pour, dans le fond, indiquer à tous quel ordre tout ça prendre la parole et tout ça. Les 2 questions qui vont être répondues par nos panélistes, c'est: quels sont, selon vous, les obstacles à la mise en œuvre de projets universellement accessibles et quelles seraient les pistes de solutions envisageables afin d'intégrer les principes d'accessibilité universelle dans les projets de logement social? Alors, après avoir répondu à ces 2 questions, là, on va avoir justement comme le 20 minutes où vous allez pouvoir venir poser des questions. Et je vous inviterai à être bref, en fait, dans vos commentaires, vos questions, parce que le but, c'est aussi d'avoir le plus de rebondissements, en fait, sur cette conversation qui va avoir lieu. Alors, sans plus tarder, je vous présente les panélistes. Donc, nous avons ici M. Arnaud Duplessis, qui est organisateur communautaire au comité logement Rosemont. Monsieur Jean-Pascal Beaudoin, qui est coordonnateur à la charge de projet GRT Bâtir son quartier. Monsieur Pierre Richard, qui est architecte chez Archiconcept. Et Madame Annie Grégoire, qui est directrice des programmes en habitation à la Société d'habitation du Québec. Donc, pour. Et puis aussi, quand vous allez pouvoir venir poser des questions, Monsieur Otis reste disponible pour pouvoir répondre à vos interrogations. Donc, je laisse la parole à M. Duplessis en premier pour cette conversation. Bonjour. Oui, donc Arnaud du Comité Logement Rosemont. Juste présenter avant de commencer peut-être un peu l'organisme, qu'est-ce qu'on fait. Notre mission, en fait, au Comité Logement, bien, c'est la défense des droits des locataires. On revendique aussi, que ce soit collectif ou individuel, puis aussi la promotion du logement social. Donc, on est très présent avec la concertation, avec nos membres pour essayer de démarrer des projets, etc.
Au niveau des obstacles, disons, nous, notre travail, c'est beaucoup en amont, comme au début. On identifie des sites, on essaie de trouver des endroits potentiels, on fait une veille sur l'inclusion pour les sites, les développements de sites privés. Déjà là, on trouve qu'il y a comme peut-être des fois des obstacles qui peuvent se trouver. Ça peut être au niveau du choix des sites. Souvent, quand il y a du développement sur des terrains privés, on n'a pas le choix de où le logement social va se bâtir. C'est un terrain qui est légué par les promoteurs immobiliers privés. Donc, des fois, ça peut poser problème. On avait parlé un peu plus tôt des lieux, donc l'accessibilité avec les épiceries, les commerces de proximité, etc. Si on se fait imposer un terrain, des fois, on n'a pas ce choix-là. Et aussi, on essaie aussi de demander, en fait, du logement social sur les terrains publics. Présentement, en tout cas, dans beaucoup de quartiers, il y a une rareté des sites publics, donc peu de choix, encore une fois, pour... développer ces projets-là. Et ensuite, au niveau des sites potentiels, il y a parfois aussi de l'achat-rénovation qui se fait. Et c'est sur des vieux bâtiments qui ne sont pas toujours accessibles universellement. Donc, dans le cadre de bâtiment, c'est ça. Sinon, on fait beaucoup de travail de mobilisation. Puis là aussi, il y a des hic, des fois, qui sont là au niveau de la mobilisation citoyenne. Bon, des fois, on manque de temps, on est sur beaucoup de dossiers en même temps. Les activités ne sont pas toujours planifiées d'une façon qui rend optimale la mobilisation des militants, des militants qui peuvent avoir des besoins en matière d'accessibilité ou en situation de handicap. Ça peut être des fois la planification des activités qui est mal réalisée, les lieux de rencontre qui ne sont pas adaptés, c'est-à-dire que dans certains comités logements, nos locaux sont universellement accessibles, mais je sais que dans certains groupes, certains comités logements, parfois, ils n'ont pas les moyens, de se prendre un local au premier étage dans un endroit. Et les cibles aussi, quand on fait de la mobilisation, qu'on fait des actions, etc., on a différentes cibles. Ça peut être des fois des actions qui sont un petit peu plus, qu'on peut dire, certaines personnes vont reconnaître ça, les actions code rouge, code jaune, code vert, et ça peut jouer là-dessus. Hop, merci! là-dessus, je pense, il y a aussi des fois comme des problèmes au niveau de la mobilisation des partenaires. C'est pas toujours les personnes avec qui on se mobilise qui sont comme conscientisées sur les enjeux d'accessibilité puis les obstacles que des personnes en situation de handicap peuvent trouver. Une fois que les projets sont démarrés, on s'est mobilisé, on a trouvé un terrain, on s'est entendu avec nos partenaires, admettons les GRT, d'autres partenaires, d'autres organismes du quartier pour les revendiquer. Il y a une mobilisation qui s'est faite, on a peut-être obtenu ce terrain-là. C'est pas tout le monde autour d'une table qui a l'expertise là-dessus. Des fois, avoir plus de cerveaux qui ont cette expertise-là, mais ça peut aider. Une fois les projets en démarrage, il y a des comités promoteurs qui se forment, il y a des comités fondateurs. Au niveau des comités promoteurs, les OBNL, nous, on va représenter notre liste des requérants. Dans le fond, au comité logement, nous, on a à peu près 15% de nos membres, nos requérantes, nos requérants, qui ont des besoins ou qui anticipent avoir des besoins en accessibilité universelle ou en adaptabilité, excusez. Et ce n'est pas tous les partenaires qui connaissent justement ces éléments-là. Au niveau des comités fondateurs de coop, une fois que le comité fondateur est fondé, le GRT le guide, bien sûr, mais c'est pas tout le monde, des fois, qui ont ces connaissances ou ces réflexes-là. D'une façon ou d'une autre, on essaie toujours de faire de la rétroaction entre les GRT, avec nos partenaires, puis tout ça. Au niveau des besoins de nos membres requérants, nous-mêmes, des fois, on a ces obstacles-là qui peuvent être justement... peut-être un manque de formation, des fois un manque d'argent pour... je sais qu'il y a des groupes qui n'ont peut-être pas toujours les moyens de réserver des bus quand on s'en va faire une manif, quand on s'en va revendiquer des terrains, de réserver des bus où il y aura un certain nombre de places qui sont pour des personnes en situation de handicap. Donc, ça faisait à peu près le tour de ce que j'avais noté. On est-tu dans notre temps? Oui. Oh, cool. Yes. Merci. Merci beaucoup. Donc, je vais laisser la parole à M. Jean-Pascal Beaudoin, qui va s'exprimer sur ces deux questions. Bonjour tout le monde. Donc, ça fait plaisir d'être ici et parler d'accessibilité universelle. Vous avez pu voir avec le témoignage de M. Otis là, que ce n'est pas un processus qui est simple et facile. Une chose qui est claire, c'est que Montréal n'est pas une ville d'emblée très...
très friendly au sens de l'accessibilité universelle. Juste en s'en venant, on regarde les bâtiments, donc beaucoup d'escaliers extérieurs, beaucoup d'obstacles aux personnes qui sont en situation de handicap. Ce qui fait qu'on s'est donné comme mission à bâtir son quartier qu'à chaque fois qu'on pouvait faire un projet où on était en mesure de faire de l'accessibilité universelle, ben on devait le faire. Et c'est vrai qu'on s'est donné un peu un critère de performance à l'effet que, ultimement, faire un immeuble, un bâtiment qui est universellement accessible, c'est bien, qu'il soit bien fait, c'est encore mieux, puis qu'en plus qu'il y ait des personnes en situation de handicap qui peuvent intégrer un bâtiment, un logement adapté, bien là, on a notre satisfaction de dire, bien, mission accomplie. Juste pour vous donner, on a quand même déployé, le processus est rempli d'obstacles. Du début à la fin, puis c'était très parlant avec les témoignages de M. Otis. M. Otis est donc dans le GRT qui parlait, c'est bâtir son quartier, donc vous voyez, on n'est pas sans faille, on a des enjeux aussi, puis on est meilleur qu'on était, puis on a encore place à amélioration. Je vais revenir sur les enjeux de conception puis de réalisation. Mais je voulais vous donner quand même quelques statistiques rapidement. Donc, dans des projets où on a déployé des efforts vraiment particuliers pour aller faire des adaptations majeures, donc permettre à des personnes en situation d'handicap plus prononcée de pouvoir intégrer un logement adapté, je vous donne les statistiques suivantes. Donc, le projet Rêve à nous, un OBNL 18, logements adaptés sur 79, donc 23 % des logements. Bassin du Nouveau, 25 adaptations majeures sur 182, donc 14 % Esperluette, 7 adaptations majeures sur 70, donc on est à 10 % Habitation 22, 21 qui sont livrés cette année, 13 majeurs sur 1 majeur, 12 adaptés, donc 13 au total sur 103, on est à 13 % Habitation 21, 2 majeurs plus 5 logements adaptés avec des adaptations moins majeures, donc 7 au total sur 122, on est à 6 % Si vous remarquez, nos deux derniers projets, on a un peu baissé notre performance. Puis je vais pouvoir revenir pourquoi qu'on a baissé notre performance en termes d'atteinte. La sélection n'est pas terminée, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres enjeux qui sont... En passant, je suis accompagné aujourd'hui par ma collègue Joëlle et Amine. Joëlle qui est à la formation et Amine chargée de projet. Puis ils vont pouvoir participer aux ateliers dans le courant de la journée là, de travail qu'on a, puis mettre à profit. Ils ont été deux... Ils ont travaillé d'arrache-pied dans la réalisation des projets que je viens de nommer pour essayer d'atteindre les objectifs qu'on s'était donnés. Il y a aussi un projet dans lequel on a pu faire un volet 3. Donc, le projet Grand Maxillologie nous permet de faire des projets pour des personnes en situation de handicap. Donc, plus prononcé, ça s'appelle le volet 3. On en a fait 12 unités dans un projet de 179. C'est le Joe Pélican dans Rosemont. Il y a 6 unités volet 1 majeures. Et quand c'est un projet pour personnes âgées, bien, il y a quand même des adaptations de base qui sont... C'est des projets, des logements qui sont quand même adaptables pour l'ensemble des unités, donc une centaine d'unités. Donc, je voulais juste mettre la table sur on est préoccupé, on travaille fort et on n'atteint pas toujours les cibles. Donc, quelles sont les solutions? Oui, il me reste une minute, c'est vrai? Vous allez devoir me poser des questions, mais vite, donc je vais aller avec les solutions. Donc, long processus, plusieurs obstacles. Première solution, oui, place à amélioration au niveau de la conception de la réalisation. Dans l'Esperluette, on avait des très bons concepteurs, une très bonne firme d'architectes, un très bon constructeur. Et malgré tout, M. Otis a vécu tous les problèmes que vous avez entendus. Donc, besoin d'amélioration. Une des choses qu'on se rend compte, c'est que les meilleurs consultants, c'est évidemment les personnes qui sont en situation de handicap. Je peux avoir la plus grande volonté, la plus grande sensibilité, les plus grandes connaissances. Il y a des obstacles que je ne suis même pas capable de me rendre compte qui existent. Donc, une personne qui est en situation de handicap est la meilleure personne pour agir en termes de chien de garde dans le développement du projet puis la réalisation du projet. Donc, c'est nos meilleurs consultants. Troisième solution, donc... Ça, c'était la deuxième solution, intégration des personnes en situation de handicap. Troisième solution, maintien de subventions dédiées à l'adaptabilité et l'adaptation. Je vous donnerai pas le nom des subventions, mais malheureusement, il y a une subvention qui existe qui permet d'adapter. C'est une subvention à l'adaptabilité et non à l'adaptation, à l'adaptabilité, donc de faire en sorte que c'est des logements qui sont facilement adaptables. Cette subvention, depuis 2016,
on a, dans plusieurs de nos projets, été incapables d'aller la chercher à cause d'un critère assez exigeant en termes d'aménagement. Et ça a déclassé l'accès à une subvention de 4 à 5 000 $ pour faire rendre le logement adaptable. Donc ça, c'est une perte. Et du côté des logements adaptés, on a également un problème en ce moment. Il y a une subvention qui existe dans le programme Accélogie qui s'appelle le SAD et on n'a plus accès à cette subvention-là. Je pourrais vous répondre pourquoi si vous me posez la question tantôt. Quatrième solution, maintien d'un processus de réalisation permettant l'occupation par les personnes en situation de handicap dès la livraison ou peu de temps après. Une des solutions, c'est tellement compliqué de faire des logements adaptés, puis de faire de... Pourquoi pas, dans ça-là, faire ça plus tard? On pense à bâtir son quartier que c'est un problème si on prend cette approche-là. Si nous, bâtir son quartier comme gestionnaire de projet, avons de la difficulté à rencontrer les cibles, imaginez un organisme, une coopérative, un OBNL, en période d'exploitation, pour faire en sorte de rendre des logements adaptés, c'est pas une mince affaire. Donc, on croit sérieusement. Puis aussi, rappelons-nous, là, un projet d'habitation, ça prend... Dans les bonnes conditions, 5 ans à réaliser. Il y a du monde qui disent hey, « Moi, j'ai besoin d'accéder à un logement adapté, merveilleux, mais j'en ai pour 5 ans. » Puis là, quand le bâtiment est livré, attends un peu, on va en prendre d'autres mois pour aménager ton logement. Puis on va démolir, on va reconstruire, puis on va avoir des pertes locatives. C'est des coûts additionnels que les subventions d'adaptabilité et d'adaptation ne sont pas au rendez-vous. J'arrive, il y en a 6 solutions. Je suis rendu à la 5e, accès à des ergots. C'est fou, mais si vous habitez dans un secteur desservi, donc on est dans le M3S, les ergots offrent la possibilité de monter des rapports. Si je suis dans l'Est, puis je veux m'en aller au centre-ville parce que, oh, merveilleux, il y a un bâtiment universellement accessible avec un logement adapté, mais l'ergot de l'Est ne peut pas faire le rapport d'ergot pour la personne parce que ce n'est pas dans le secteur. Puis l'ergot du centre-ville ne peut pas faire le rapport parce que la personne n'habite pas au centre-ville. Donc, on fait des pieds et des mains pour essayer de trouver un ergot, puis on en trouve. Il y a du monde extraordinaire dans le milieu. On trouve à un moment donné un ergothérapeute, une ergothérapeute qui dit « Oui, je vais te le faire, le rapport, puis on va l'avoir. » Donc, il faut avoir accès à des ergots, à des rapports d'ergots. Et dernière solution, puis elle est là, on a eu le privilège de travailler avec des organisations, que ce soit des coopératives qui ont été mises sur pied avec notre accompagnement, que ce soit des organismes qui sont également sensibilisés à la chose. Donc, des organismes qui sont en partant... partie prenante dans rendre le logement universellement, avoir un projet universellement accessible et avoir des logements adaptés et intégrer des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est une condition de départ. Monsieur Otis en a fait témoignage tantôt avec la coopérative Esperluette. Et oui, la mise sur pied d'un comité sur l'accessibilité et l'adaptabilité, c'est essentiel. En habitation, on construit des prototypes. On n'est pas dans une chaîne de montage où on peut parfaire un produit puis avoir le produit là, qui répond à toutes nos exigences. À chaque fois, c'est un nouveau projet. Et force est de constater qu'il y a des manquements qui se font tant au niveau de la conception qu'au niveau de la construction. Puis même si on a fait un processus parfait puis on a des super concepteurs et des super constructeurs, bien oui, il y a malgré tout des aménagements à faire. Puis c'est le comité accessibilité, adaptabilité qui, lui, va être en mesure d'identifier les problèmes puis trouver des solutions. Puis des fois, c'est des solutions vraiment pas chères. Vous pourrez tantôt poser des questions aussi là-dessus. Donc, on a identifié les 6 solutions qui, selon nous, qui se basent sur la préservation d'acquis, l'amélioration, mais une chose qui est sûre, c'est qu'on ne veut pas régresser, puis le chemin qui est parcouru, on ne veut vraiment pas le perdre. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, j'invite maintenant M. Pierre Richard, architecte chez Archiconcept, de répondre à nos 2 questions. Je vais revenir sur le cœur des questions, c'est l'accessibilité universelle. Parce que votre expérience à vous dans le processus d'adaptation a été un peu malheureux. Chez vous, au GRT, vous devez aboutir avec des logements qui répondent aux besoins des occupants. Ça inclut l'adaptation, mais moi, j'y toucherai même pas comme sujet. J'en ai fait plein dans ma vie d'adaptation pour toutes sortes d'organisations. Je pense que c'est une réalité avec laquelle ils font composer. Mais l'universalité,
Je vous l'ai déjà dit une fois au téléphone, qu'on s'est parlé, c'est l'architecture ouverte. C'est-à-dire qu'on parle d'une architecture qui n'a pas de détermination et de contrainte par rapport à la possibilité de recevoir une personne malgré qu'il faut faire des adaptations pour répondre aux besoins. L'obstacle, les obstacles, j'en ai quelques-uns, j'en ai six. Vous n'aviez huit, six ou huit. Moi, je trouve qu'au départ, c'est la volonté, je pense, du groupe promoteur. Dans le sens que, est-ce que, oui, on veut faire un projet qui est vraiment universel, ou on veut intégrer des personnes handicapées dans notre projet? C'est deux façons de voir. Une autre problématique que je vois, c'est la tendance un peu à la clientélisation des projets. Dans le sens qu'une fois qu'on sait qu'un projet a une destination particulière, on ne voit pas nécessairement la réalité. Bon, les personnes âgées, les personnes handicapées, limitations, etc. On introduit ces personnes dans notre groupe, mais ce n'est pas le groupe en soi qui est comme je dirais, qui a une vision large. Il y a aussi, je vous dirais, compte tenu de que tout le logement social est subventionné, quelques problématiques. Je pense que c'est un peu du côté de la SHQ, dans le sens de dire que les logements universels ne sont pas exigés systématiquement dans tous les projets, peu importe. Volet 1, volet 2, volet 3. Je pense qu'on devrait absolument réussir à introduire les normes de construction qui ont même été définies par la SHQ dans tous les projets. Mais ne pas seulement 10 %. Je pense que volet 1, c'est 10 %. La vision à long terme. Depuis 80, du moment que j'ai travaillé à la Fondation de la Société Logique, on parlait à cette époque-là des problématiques de vieillissement de la population. On est plein dedans aujourd'hui. Puis on a encore de la misère à faire des logements universels. Je pense que ça, c'est un problème de perspective. On ne voit pas les choses venir. On a de la misère à voir dans 20 ans ou dans 25 ans. La réglementation. On a la nouvelle réglementation qui rentre en vigueur au Québec. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Qui fait que les logements, tous les logements qui vont se construire, qui ont un parcours sans obstacle, c'est-à-dire du moment qu'on peut atteindre le logement avec un fauteuil roulant ou une canne ou autrement, le logement doit avoir un minimum d'accessibilité. Sophie parlait de visitabilité. C'est une introduction, mais là, ça va être beaucoup plus large que de dire, ah, on a 10 % de notre bâtiment de logement qu'on va caractériser. Pour moi, je pense qu'on peut améliorer encore cette réglementation-là, puis ça prendra du temps, je pense, un peu. Puis, je pense que les coûts de réalisation, les gens, on sait aujourd'hui que les coûts de projet sont, ça coûte cher, faire des projets de logements sociaux, le marché, c'est à cause du marché actuel. Puis il y a des bâtiments, puis Sophie en a montré quelques-uns tantôt, 3,5 étages avec des demi-sous-sols, c'est souvent des logements familiaux. Puis malheureusement, l'accessibilité là-dedans, là, pas grand-chose. Hein? Puis moi, je vois un peu des problématiques avec l'office municipal. On recherche des logements familiaux, il n'y en a pas. Pour une famille avec un enfant handicapé ou autrement. Il n'y en a pas sur le marché, parce qu'on construit de façon économique ces logements-là. Puis même dans le privé, là, c'est pas juste du logement social, là. Je pense qu'on doit travailler pour avoir l'ensemble de ce qui se construit le plus possible, universellement accessible, pour qu'on ait une architecture ouverte. Après ça, il arrive des subventions, comme vous parliez, d'adaptation. Il y en a qui viennent de l'assurance automobile, de la CSST, de la SHQ, mais peu importe. La question pour moi, c'est de l'argent qui se rajoute pour répondre aux besoins particuliers. Une minute. Oh! Je pense que j'ai couvert mon sujet généralement d'une façon... Je ne vais pas tomber dans le détail du besoin particulier de la hauteur de la toilette puis de la barre d'appui, etc. Ça, je comprends que c'est un problème. Puis ça doit être bien traité, bien vu. Puis ça reste toujours personnel. Hein.
Du moment qu'une personne va quitter un logement, il y a un petit quelque chose à recommencer. Puis je parlais avec Marie au téléphone, Marie Turcotte, la semaine dernière. Bon, vous savez, toute cette Marie, bien là, à un moment donné, on parle d'un logement adapté à son besoin, c'est des particularités, des aménagements spécifiques. Fait que je pense que l'architecture, adaptée, c'est pas l'architecture universelle, c'est un complément qui vient par la suite. Super. Donc, c'est à mon tour. Oui, merci, Mme Grégoire. Je vais prendre un petit 30 secondes, moi aussi, pour introduire. Puis par la suite, je vais vous parler un petit peu comme mes collègues. Donc, je suis de la SHQ, au niveau des programmes de la SHQ. On intervient comme acteur de premier plan pour assurer la qualité, la pérennité d'un parc de logements subventionnés qui est autant public, privé ou communautaire. Puis on veille au développement d'une variété de formules d'habitation. On parle surtout du programme Axelogie depuis le début de ces discussions-là, mais d'une variété de formules qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens. Dans le cadre du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, on a notamment Axelogie, mais on a un programme d'adaptation de domicile pour les gens qui demeurent déjà dans leur logement ou dans un domicile privé. Et on a un programme aussi pour rendre des établissements commerciaux accessibles pour les personnes qui vivent une situation de handicap. Donc, au niveau vraiment des interventions, au niveau communautaire, l'approche d'intervention, c'est d'avoir vraiment une gradation au niveau d'une variété de formules. On passe de l'accessibilité du bâtiment à la visitabilité. On vise au-dessus de ça, donc vraiment l'adaptabilité des logements. On va pousser un cran au-dessus de l'adaptabilité avec la subvention SUAL qui va venir ajouter une coche à ce qu'on exige. Et on va jusqu'à la subvention SAD qui devient vraiment une adaptation spécifique aux besoins des personnes qui vont y résider. Donc, une variété de gradation dans l'approche. On travaille vraiment étroitement avec les différentes instances gouvernementales, dont la RBQ et d'autres ministères, pour bonifier les pratiques. Donc, ça a vu naître au cours des dernières années des améliorations à ce niveau-là, qui ne sont pas parfaites, mais qui s'améliorent. Et le principe de base, c'est qu'on vise une plus grande inclusivité au niveau de la clientèle pour diminuer le nombre d'adaptations réellement requises au niveau des personnes handicapées. Mais on a toujours des enjeux, et c'est là-dessus que je tombe par la suite. Trois grandes catégories d'enjeux qu'on avait ciblées. Le contexte dans lequel on œuvre, la chaîne de production, même si on parle que chacun des bâtiments est spécifique, il y a quand même une chaîne de production et d'exploitation là-dedans, puis l'adaptation. Donc, au niveau du contexte, on constate que, justement, particulièrement sur le territoire de Montréal, où on est aujourd'hui, on est en milieu urbain, on travaille dans des bâtiments, parfois, qui sont des bâtiments existants, pour lesquels ils ont été construits avec l'absence de règles au niveau des codes pour régir ça. Donc, on travaille dans des contextes qui ne sont pas toujours faciles à amener vers quelque chose qui est ce qu'on veut. Les terrains sont rares, les terrains sont exigus, les terrains sont chers. Donc, c'est sûr que on doit, quand on arrive dans ce genre de situation-là, peu importe le groupe avec lequel on travaille, venir rentabiliser un peu. Moi, je parle de rentabilité, mais c'est pas le bon terme. On va parler plus de viabiliser des projets sur ce genre de terrain-là. Donc, de s'assurer que le projet va être financièrement viable, malgré le fait qu'on veut ajouter des superficies, malgré le fait qu'on veut le rendre inclusif. Donc, c'est un enjeu quand même qu'on a. On a des contraintes structurelles quand on travaille dans les bâtiments existants. On travaille dans un milieu où c'est pas normal dans les habitudes de construction. C'est pas encore, on est tous vendus ici autour de la table probablement à rendre les milieux plus inclusifs, mais quand on arrive dans le quotidien d'un entrepreneur qui construit un bâtiment, il va faire comme il a toujours fait, et tant qu'on n'aura pas modifié tranquillement, pas vite, et c'est dans tous les domaines, pas seulement en accessibilité, tant qu'on n'aura pas modifié graduellement cette façon de penser-là, pour que quand il installe la prise par terre, bien, plutôt que de mettre son marteau puis de mettre la prise à la hauteur du marteau comme il a l'habitude de faire, qu'on arrive à le faire cheminer en disant « c'est plus ça maintenant, c'est autre chose ».
Donc, il y a ça ici. Donc, on tombe dans la chaîne de production. La chaîne de production, c'est vraiment une méconnaissance d'un ensemble d'intervenants. Il y a plusieurs intervenants, par exemple, je pense à Société Logique qui a fait une intervention tantôt, qui, notamment au niveau des professionnels, a aidé beaucoup à démocratiser ces concepts-là auprès des professionnels. Mais il y a la chaîne, quand je parle de la chaîne, ça va jusqu'à l'entrepreneur qui, même si c'est écrit sur papier, a peut-être pas lu le papier ou l'a peut-être pas compris tel que c'est écrit sur le papier, puis il va le faire comme lui l'a toujours fait. Donc, il y a toute cette chaîne-là à harmoniser pour s'assurer que ce qui est pensé au début est réellement réalisé à la fin. Fait que ça, c'est pour puis on vit encore avec au niveau d'un contexte où il y en a qui considèrent ça comme une dépense plutôt qu'un investissement. Donc, on a ce principe-là à combattre aussi. Donc, ça, c'était pour la chaîne de production. Et le dernier, c'est vraiment l'adaptation. On constate, notamment dans Excellogie, que d'inclure l'adaptation spécifique à des besoins dans un processus de construction où souvent les personnes qui vont résider à l'intérieur ne sont pas connues ou sont connues tardivement dans le processus, ça crée des imbroglios qui fait qu'au bout du compte, on n'atteint pas toujours le résultat souhaité ou ça ajoute un niveau de complexité. Donc, on a ça à travailler. Ça, c'est dans nos cartons à tous chez nous. Donc, globalement, au niveau des solutions, j'en ai parlé un petit peu dans les problématiques, mais c'est de poursuivre la sensibilisation. De notre côté, puis du côté des paliers gouvernementaux, c'est de poursuivre la recherche aussi sur les meilleures façons de faire, donc de subventionner des recherches, d'aller subventionner des organismes qui vont nous aider à mieux comprendre, donc pour mieux aligner nos choses. Puis toute cette sensibilisation-là va nous amener peut-être moins... on est beaucoup dans le milieu coercitif, nous, de notre côté. On vient, au niveau gouvernemental, donner des règles. La RBQ fait la même chose, vous connaissez. Donc, on vient mettre des règles. Ces règles-là viennent brimer jusqu'à un certain point la créativité. Quand on vient mettre une règle qui fait qu'on a un objectif, il y a peut-être d'autres moyens d'y arriver, mais présentement, comme ce n'est pas commun dans le milieu... On est obligé de mettre une règle qui vient peut-être brimer des solutions alternatives qui pourraient arriver jusqu'à ce que le milieu se soit sensibilisé, puis trouve des solutions autres, puis là, nous amène un feedback, puis là, on fait évoluer nos règles. Donc, ce processus-là aurait intérêt à se bonifier encore. Donc, la conception concertée aussi, on parlait d'inclure les résidents dans un processus. Je suis tout à fait d'accord avec ça, là, qu'à quelque part, l'ensemble des intervenants soient là au tout début du projet. Ça aide à faire des meilleurs projet globalement et pas juste en accessibilité universelle. Voilà. Puis là, on parle du milieu communautaire, mais c'est sûr que le milieu communautaire, je pense qu'on a un grand pas de fait. Je pense qu'il reste toute la portion aussi privée et autre qui constitue une grande portion du parc de logement au Québec et qui va devoir emboîter le pas un petit peu dans la veine de ce que vous nous apportiez, M. Richard. Voilà. Faut-il garder? Merci pour toutes vos interventions, amener les perspectives et tout ça. Je vais vous passer mon micro, vous poser la question et voilà. Présentez-vous aussi, s'il vous plaît, au début. D'accord. Pierre Nadeau, Association d'information en logement immeuble adapté. On est sur la rive sud de Montréal, principalement dans l'agglomération de Longueuil pour l'instant. Là, M. Boudreau, de Bossex, dans le quartier, a dit que les personnes handicapées, c'était ses meilleurs conseillers. Là, dans l'exemple que M. Altis a donné, il y aurait eu l'occasion d'intervenir avant que les pauses se fassent. Mais on lui a dit non, bien plus tard, avec les résultats qui nous a exposé. Les ergothérapeutes d'un CLSC, ils ont
des questions aujourd'hui. Ils n'ont pas le temps de suivre les contracteurs à trace. Mais qui est-ce qui va les suivre à trace? Parce que comme c'est là, on dirait qu'il faudrait suivre les... Prendre les contracteurs par la main, c'est... Non, là, là-bas, ta main pousse plus haut, là. Attendez, non, je comprends pas. Répétez, me dis, comment qu'on va y arriver? C'est mon meilleur conseiller, mais on les implique dans le processus à la fin. Ça marche pas, ça. Donc, peut-être une réaction sur ce commentaire, question? Oui. En fait, on a réussi à intégrer du monde au début du processus. Le processus est complexe. Qu'est-ce que je peux donner comme information qui me permet peut-être de mieux comprendre la dynamique de la réalisation d'un projet? C'est clair qu'il y a toutes sortes de responsabilités. Le constructeur a des responsabilités, les concepteurs ont des responsabilités dans la réalisation d'un projet. Ce qu'il faut s'assurer, hein, et puis l'adaptabilité dans le cas de M. Otis, c'est un autre cran, comme parlait M. Richard. Un des éléments importants, c'est de s'assurer d'avoir un bâtiment universellement accessible. Donc oui, puis on a matière à améliorer l'accessibilité universelle, même dans les bâtiments, quand on suit les prescriptions de la SHQ, il y a encore mieux à faire. Puis collectivement, on le sait, puis il faut avoir accès à ces informations-là. L'autre étape, comme de fait, les entrepreneurs, ce n'est pas des entrepreneurs spécialisés. Il existe des entrepreneurs spécialisés qui sont en mesure, après la construction, de venir et, dans ce temps-là, de faire des adaptations avec la personne. Et comme ça, les ajustements sont faciles, sont plus faciles à faire. Par contre, ça a un autre impact. Ça veut dire qu'on va livrer un bâtiment, dans le cas de nous où on produit des projets neufs, on va le livrer tel universellement accessible, et par la suite, on va venir démolir puis le refaire. On va au moins s'assurer d'avoir fait certaines adaptations pour que le projet soit, que le logement soit adaptable, que ce soit des exemples aussi simples qu'un fond de clouage dans la salle de bain, que d'avoir des aires de circulation adéquates, des aires de giratoires adéquats, d'avoir une prise pour l'ouverture de porte, un ouvre-porte automatique. Ceci étant dit, on va devoir, dans un deuxième temps, puis d'ailleurs, on le réfléchit. Est-ce que du côté de la SHQ, du côté de la Ville de Montréal, comme bailleur de fonds, ils disent, est-ce qu'on devrait arrêter de faire des adaptations en construction? Bien, le contre-coup de ça, oui, on pourrait avoir accès à des entrepreneurs spécialisés, donc éviter les problèmes qui ont été mentionnés. En contrepartie, par contre, il va y avoir des pertes locatives, il va y avoir de la démolition. Puis ça, ces coûts-là, est-ce qu'ils vont être payés ou pas par les subventions qui vont être qui seraient disponibles? J'aimerais rajouter un petit quelque chose par-dessus ça. Là, vous me parlez d'un processus où vous avez un projet en livraison. Un projet, ça dure combien d'années, une fois qu'il est livré? Oui, la viabilité. C'est quoi la durée d'un projet? 50 ans? 75? 50 minimum. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des changements de locataires dans l'immeuble? OK, parfait. S'il pourrait y avoir des changements de locataires, vous ne savez pas où ça va se produire. Vous ne savez pas où il va y avoir des besoins qui vont apparaître. Vous ne savez pas à quel moment il va y avoir besoin d'adaptation. Fait que l'adaptation, c'est une réalité qui va se produire dans le processus de vie de ce bâtiment-là. Vous autres, vous êtes en livraison, vous avez le nez collé dessus, je comprends très bien. Mais essayez d'avoir une vision long terme et de comprendre que cet immeuble-là va vivre et qu'il va devoir se transformer de toute façon quand les besoins vont apparaître. Et avec des nécessités de démolition, s'il faut. Ah, qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie. La question de l'adaptabilité est importante, qu'on ait des logements adaptables.
puis pour voir, pour justement avoir cette flexibilité-là. Et quelque chose d'aussi simple que ce n'est pas 100 % des logements qui sont adaptables pour toutes sortes de raisons. On espère, quand on peut le faire, on va le faire, mais souvent, ce n'est pas le cas. Donc, quels logements, sur les 150 logements qui ont été construits, lesquels qui sont adaptables? Puis dans 25 ans, qui va savoir lesquels qui sont adaptables? Donc, il y a tout un enjeu là. Et s'assurer de cette pérennité-là, donc dans l'information qui est transférée au groupe. Et puis oui, le promoteur, tantôt Pierre l'a dit, le promoteur, c'est quoi son ouverture par rapport à faire des adaptations? Donc, être en mesure d'encadrer les travaux nécessaires, d'être en mesure de... Il va avoir un enjeu de relocalisation potentiellement, il va avoir un ensemble de frais, puis un ensemble de conséquences que le groupe doit absorber. Donc, ça fait partie aussi de la problématique. Nous, c'est vrai que j'insiste sur le fait qu'on essaye de faire des adaptations dès le début, parce qu'on se dit, c'est peut-être, on a une occasion d'entrer. Mais c'est juste une partie de l'équation. Je suis 100 % d'accord qu'il faut avant tout miser sur l'accessibilité universelle, puis avant tout avoir le maximum de logements adaptables. Donc, par rapport aux premières, à la première question qu'on a eue, je voulais savoir, est-ce que dans les panélistes, il y a quelqu'un d'autre qui aurait un commentaire? Sinon, on va prendre une deuxième question. Ben, simplement dire que je seconde tout ce qui a été dit. Et que, ben, effectivement, toute la vie du bâtiment, c'est la raison pour laquelle on a une variété de programmes pour venir essayer de pallier à un ensemble sur toute la vie des bâtiments. Il n'y a pas seulement le changement de locataire qu'il faut considérer. Il y a toute la question de la maladie évolutive aussi. Puis ça risque d'arriver pas mal plus que le changement de locataire. C'est la raison pour laquelle il y a une ergothérapeute. Non, mais quand on a besoin de faire des changements continuellement. Là. Mm-hmm. Mais c'est la raison pour laquelle on a un professionnel de la santé qu'on veut inclure dans le dossier. C'est que ces professionnels-là sont là pour voir aussi au niveau de l'évolution de la maladie dans une certaine période, pour prévoir une certaine évolution aussi dans ce qui va être fait comme adaptation. Super. En tout cas, au comité logement, Rosemont, ça nous arrive quand même fréquemment aussi de recevoir des personnes qui ont été parties prenantes du projet de fondation de coop, qui ont vécu dans leur coop un certain temps et qui vivent des formes de discrimination de facto parce qu'ils ne sont plus en mesure ou elles ne sont plus en mesure de remplir certaines tâches. Des fois, on dirait que ça peut venir aussi un peu de la communauté puis des groupes de comme... c'est une personne qu'on perçoit comme étant trop lourde pour notre capacité, disons, de distribuer des tâches puis tout ça. Donc, il y a des personnes qui se ramassent discriminées de facto, genre, une fois la coop bâtie, dans la coop, au niveau de leur maintien dans les lieux même qui peut être affecté. C'est quelque chose qui est comme peut-être aussi à réfléchir dans... peut-être au niveau des comités fondateurs, de juste bien expliquer ce genre de choses-là, des tâches qui peuvent être distribuées, puis etc. Merci. Juste une question pour vous. Est-ce que c'est pour rebondir sur la discussion? Non. C'est une nouvelle question. Il y a une dame ici qui voudrait avoir juste peut-être ajouté quelque chose. Si vous voulez vous asseoir ici dans notre belle chaise de la dame. Voilà. Isabelle Richard, je fais partie d'un groupe de ressources techniques en habitation, Atelier Habitation Montréal. On fait plusieurs logements pour la Fondation des aveugles. On travaille avec M. Richard sur des projets à Longueuil. En fait, le financement est le nerf de la guerre. J'ai bien aimé, Annie, quand tu as parlé de, au-delà de l'adaptabilité, et c'est important, c'est le bien-être de vivre ensemble. Il y a au sein de nos coopératives, il y a des gens qui sont devenus handicapés. Puis c'est sûr que l'adaptabilité, le financement venait pallier à cette suivre un individu de façon universelle, mais tout au cours de sa vie. Et l'impact au niveau de sa santé mentale a un impact sur le financement global du gouvernement. Puis je crois que vous aviez fait des documents en disant quel est l'impact monétaire du financement lorsqu'on investit 1 $ dans le logement social, il y a un gain de 2 $. Lorsqu'on majore les budgets pour l'accessibilité universelle, permettre des gens, peu importe, leur handicap. J'aime pas ça, mais c'est dire qu'il y a un impact sur le financement public. Maintenant, on pourrait faire ça, aller à cette étape-là. On a dit qu'un dollar investi dans le logement social, c'est une économie de 2 $. Un 2 $ supplémentaire pour permettre une plus grande universalité, un plus grand accueil de toute la communauté,
Bon, on va économiser 3 à 4 $. L'impact de la santé mentale est important. Quand tu te sens accueilli, quand tu te sens accompagné durant toute ta vie, c'est important. Les budgets de fonctionnement, les budgets d'immobilisation devraient être majorés. La réserve d'immobilisation pourrait contenir une réserve supplémentaire d'adaptabilité des logements, dès le départ. Le financement de la base pourrait être majoré, on le sait, c'est ça qui s'en vient. Mais pensez à comment on peut vieillir, comment la vie est faite d'imprévus. Puis pour la participation dans des coopératives d'habitation, on oublie, il faut être créatif. Une personne qui vieillit, une personne qui arrive avec une mobilité réduite, ça peut être les PSL qui pourraient être adaptés. On pourrait passer un volet 3 à l'intérieur d'un volet 1. Il faut être créatif parce que je l'ai vu dans des projets qui étaient évolutifs, tant au niveau humain, mais je crois qu'il faut s'asseoir avec les bailleurs de fonds en disant, voici la réalité. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est ça. Par rapport à ça, peut-être, voulez-vous rebondir ou on va... Oui, c'est très, très bien dit. Tout est très bien dit. On va suivre et je voulais laisser la chance. La chance à... Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, nous changeons de sujet. On parle de parler avec un enfant handicapé. À quel moment on va parler de parler avec un père handicapé? Donc, Patrick Desjardins, vice-président d'Execo et le président du SPASM. Patrick a dit, on parle de famille avec un enfant en situation de handicap, mais quand est-ce qu'on va parler des familles avec un parent en situation de handicap? Quand j'ai des travailleurs autonomes, c'est pas... Sans compter qu'il y a des travailleurs autonomes, c'est pas... Parmi ses parents, donc des parents en situation de handicap qui peuvent être travailleurs autonomes, par exemple. Et alors, aucun logement a été passé en fonction de ces familles-là. Et il n'y a aucun logement qui a été pensé en fonction de ces familles-là. Ce qui revient à limiter la famille, ce qui revient à limiter la famille. Ce qui nuit à l'unité de la famille? Ce qui nuit à l'unité. C'est ça. Je peux réagir, effectivement. Je pense que dans les propos, quand on parlait de famille avec enfants handicapés, mais de notre côté, on voit autant dans nos programmes de parents vivant une situation de handicap avec des enfants que de familles vivant avec un enfant qui a une situation de handicap. Donc, l'ensemble des discussions, je pense, tourne autour de l'ensemble des situations. Et dans les programmes d'adaptation, on prend en compte justement, là on tombe plus en adaptation de domicile, je suis désolée, qu'en accessibilité universelle, mais on prend en compte justement la situation d'un parent
vivant une situation de handicap qui doit suivre un enfant qui, lui, n'a pas ce handicap-là, donc qui, lui, circule librement dans l'ensemble de l'unité. Ça fait partie des critères, ou en tout cas des choses qu'on prend en compte quand on fait une adaptation d'un domicile en particulier. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Non? Quelque chose là-dessus. Non, parce que les logements sont trop petits. En plus d'être inadapté. Entre autres. Pas juste les HLM, mais entre autres. D'accord. Oui, ça ne sera pas très long. C'est juste que les logements familiaux ne sont pas construits dans des immeubles avec ascenseur la plupart du temps. Premièrement, puis, je l'ai dit tantôt, on parle de bâtiments à Montréal de 3,5 étages, demi-sous-sol, parce que les terrains sont tellement chers, on veut rentabiliser. On veut pas qu'on ait des exigences de code de construction trop élevées. C'est ce que ça donne comme résultat. C'est pas génial, je vais vous dire. Puis, je parlais avec Sophie tantôt, des logements dans Technopole, Angus, machin. Là. Ils vont encore faire des logements sur 2 étages, là, où il va y avoir des espaces de vie en bas, puis les chambres en haut, avec quelques logements peut-être qui vont avoir des caractéristiques pour des familles, comme tu disais tantôt. Moi, je pense qu'il faut arrêter de construire inaccessible, point à la ligne, ça vient de finir là. Si on n'arrête pas ça, on n'arrivera pas à résoudre une problématique comme celle-là. Si on fait la moitié des choses ou 3/4 des choses inaccessibles, puis on se dit, ah, on va faire un petit 10 % 15 % ça va être tout est réglé. Non, ça ne marche pas, ça. À Montréal, on a l'habitude d'avoir les bâtiments là, où les familles habitent au rez-de-chaussée, puis comme ça, ils sont en mesure de voir leurs enfants accéder à la cour. Puis on est encore là à Montréal. Ça fait quelques projets qu'on fait multi-étagés, où on souhaite pouvoir intégrer les familles sur l'ensemble des étages, puis faire des logements, des unités familiales sur un pied. Et justement, parce que quand on tombe dans des projets là, avec plusieurs chambres à coucher, bien, à un moment donné, ça peut être intéressant de faire ça sur 2 étages. Mais une chose qui est sûre, c'est que c'est pas très accessible sur 2 étages. Mais une des règles, par exemple, à Montréal, qu'on nous donne en termes d'aménagement, c'est de dire, bien, vous gardez les logements familles aux étages inférieurs, puis vous ne les mettez pas aux étages supérieurs. Puis assurez-vous de... Donc oui, c'est une bonne idée. Ceci étant dit, dans l'aménagement, l'intégration de logements pour familles, que ce soit les parents, que ce soit les enfants qui sont en situation de handicap, bien oui, on aimerait avoir une flexibilité. Puis je ne sais pas si collectivement, on est rendu à une étape où on peut accepter d'avoir des familles sur plusieurs étages. Je me souviens, lors d'une une consultation publique sur le site Rosemont, où on a construit un projet relativement dense, familial, mais du fameux 3,5 étages, dans lequel il y a de l'accessibilité universelle, on a réussi à le faire, mais avec des rampes. Il y avait une intervention lors de la consultation où la personne venait d'un pays asiatique, puis il a dit, vous savez, des familles au 20e étage, il n'y a pas de problème chez nous. Bon. On n'est peut-être pas rendu là, mais on peut peut-être pousser un peu plus en haut du 3e étage. Bien, moi, je voulais juste renchérir un peu sur ce que Patrick a dit. Pour prendre ton exemple, hein? Patrick il vit dans un logement où il est super bien, ça fonctionne super bien, Patrick est jeune, rencontre une conjointe, a un enfant, voudrait bien rester dans le même bâtiment. Mais ça marche-tu? Est-ce qu'on peut changer de bâtiment? Ça fait que l'évolution, ce n'est pas juste une évolution de la situation de santé. C'est une évolution de la vie des gens, puis de la participation sociale, puis des choix des gens. C'est ça qu'il faut permettre, là. Donc, il ne faut pas voir les personnes comme des personnes qui ont des problèmes de santé qui vont aller à s'aggraver.
C'est des personnes qui font des choix de vie. Puis il faut qu'ils puissent faire ces choix de vie-là, puis continuer à évoluer dans un environnement où bien, ils connaissent leurs voisins, ils connaissent commerce, services de proximité, ils ont tout un réseau de contacts, ils ont des habitudes de déplacement. Puis est-ce que c'est possible de continuer à vivre? Puis pour les logements familiaux, dans le même immeuble, à côté de l'immeuble, il y a les projets Loggia, Loggia Préfontaine, où on a les logements du rez-de-chaussée qui sont des logements familiaux. Grande famille, 3 à 4 chambres à coucher, universellement accessible. Puis c'était un défi, hein? Quand ça a été réalisé, on se faisait dire, il n'y aura jamais de famille pour occuper ces logements-là. Vous devriez voir les familles qui sont là. Et donc, des familles avec 2 enfants en situation de handicap, ça fait une grosse différence dans la vie de ces familles-là. Puis ça, il n'y en a pas beaucoup de ces logements-là. Par contre, il n'y a pas de service inclus dans le cas de Loggia. Ça, c'est un problème. Ça, c'est l'autre problème, l'arrimage avec les services. Donc, peut-être vous voulez rebondir. Après ça, il va nous rester à peu près 5 minutes. Il y a d'autres deux questions qui s'en viennent, mais je ne sais pas si vous avez ici... Je vais faire très, très court, oui. Effectivement, mais c'est une évolution collective. Je comprends tout à fait votre situation. Quand on parle du parc HLM, parce que c'est la question que je vous parlais tout à l'heure, le parc HLM qui a été construit majoritairement fin des années 70, début des années 80, donc une autre époque en termes d'inclusivité de l'ensemble de la population dans le design. Donc, on fonctionne avec ça en essayant de faire évoluer, mais tant bien que mal. Et au niveau d'Accès Logis, ce qu'il faut savoir, c'est que malgré le fait que, comme je vous disais tantôt, on impose des règles, on met des cadres dans Accès Logis, Accès Logis, sa philosophie, c'est une initiative du milieu. Donc, c'est le milieu qui décide qu'il a besoin d'un logement famille, qu'il a besoin d'un organisme dans tel créneau. Et nous, on vient aider cet organisme-là à mettre en place son projet. Et c'est relativement nouveau, effectivement. Bien, les logements familles, premièrement, on n'en construit pas tant que ça. Puis la variété, la mixité, même au début du programme, c'était très rare qu'on avait des volets mixtes, c'est-à-dire qu'on construisait pour des personnes seules, on construisait pour des personnes âgées, on construisait pour... Et dans l'évolution, tout le monde évolue, puis on commence à faire des projets avec mixité, personnes âgées, famille, mixité, personnes en situation de handicap avec des logements famille. Mais c'est une évolution collective, puis je suis bien consciente qu'elle va passer vite à votre goût. Oui. Ça me faisait un peu penser, on a parlé des ascenseurs, puis aussi des problèmes qui peuvent arriver... pour les familles, etc. Ça me faisait penser on a parlé aussi de Loggia, puis je pensais à l'ancien hôpital Bellechasse, qui est dans le fond le premier site qui s'est développé pour Loggia, où, dans le fond, c'est un ancien hôpital, il y avait 2 ascenseurs, puis ils ont dû faire des choix par manque de financement. C'est sûr que là, on a eu des bonnes nouvelles avec certains rehaussements par porte de la SHQ, etc., mais j'ai comme l'impression que parfois, on est quand même encore limité dans nos possibilités et pour des projets qui sont nés. Puis tout ça, des fois, ils doivent faire des choix assez déchirants entre, on va garder les ascensiers, on va garder les escaliers, on va peut-être condamner un ascenseur qu'on ne peut pas réparer. Et là, en plus, la génératrice qui pourrait garder l'ascenseur en marche pour sortir des personnes en situation d'handicap du logement si ça brûle, il nous manque des pièces dessus, c'est un ascenseur vétus, on n'a pas réussi à le réparer. Et donc là, on est face à des situations où, dans le fond, il manque l'argent pour réparer ces choses qui sont quand même essentielles pour les gens qui y habitent, qui vont avoir de la difficulté à sortir par les escaliers, disons. Il y a comme ces problèmes-là aussi qui font que, comme on a beau avoir rendu le logement adaptable, les couloirs sont larges, il y a un ascenseur qui permet, mais si l'ascenseur, par exemple, il y a une panne, il ne peut pas monter ou descendre, là, on est mal pogné. Peux-tu répondre à ça? Je suis directrice de l'espace de Bellechasse. Ouais.
Et c'est Espace Bellechasse, l'organisme même qui a acheté la génératrice pour que Logia puisse l'installer, pour que nos personnes en situation c'est d'handicap ne soient pas prises dans l'ascenseur. Mais c'est l'organisme même là, qui a payé pour la génératrice. Ça a pris du temps. Puis c'était ça la situation aussi. C'était comme une problématique qui, je sais, qui traînait depuis un certain temps. Puis là-dedans, ben, c'était comme, OK, mais où est-ce qu'on rentre ça dans le budget quand c'est une machine qui va coûter quoi, là? Peut-être, je sais pas c'était combien que ça a coûté, mais il me semble qu'il y a comme juste les frais de l'électricien, juste les pièces qui sont plus trouvables. Ça peut monter dans les 5-6 chiffres, non? Oui. On n'est pas loin du 20 000, là. Puis ça, c'est... Il y a eu dans comme un partage de frais avec ces logias, là, mais c'est Espace Bellechasse qui a payé la génératrice. Juste une petite affaire, vu que je vois dans le quotidien, juste penser dans le service dans Espace Bellechasse, on dirait que les salles de bain n'ont pas été conçues pour offrir des services avec toute l'adaptabilité. Adaptabilité pour le bain, pour la toilette, avec deux personnes dans ce petit espace-là. Juste un petit commentaire. Bien, en fait, c'est qu'on a quelqu'un ici donc, qui est là, qui attendait pour sa question. Donc, puis ça serait malheureusement la dernière. Je pense qu'on aurait envie de peut-être... si on voulait, on se fait un pique-nique puis on continue à parler tous ensemble ici. Mais je pense qu'au niveau du temps, on a comme le temps d'entendre votre commentaire et puis rapidement après ça, aller manger, quoi. Bertrand Legault, l'Association pour le logement... Pardon, l'Association d'information en logement immeuble adapté. Je suis tout nouveau, je m'excuse. J'ai une question. En fait, Jean-Pascal, tantôt, il a nommé plusieurs... Non, c'est Pierre-Richard qui a nommé des obstacles, puis Jean-Pascal, c'est la solution. Mais à propos des obstacles, je pense qu'il y a des obstacles qui reviennent fréquemment, mais on n'a pas identifié la source. Puis moi, j'entends, quand on parle de logement de 2 étages, 3 étages, le problème souvent, c'est le règlement de zonage qui oblige des édifices à telle hauteur. On ne peut pas faire des édifices plus hauts que certaines hauteurs. Quand Jean-Pascal, tantôt, parlait des immeubles de 20 étages, où est-ce qu'on a des logements adaptés, même au 20e étage, c'est sûr qu'il y a un ascenseur, là. Mais je pense qu'on devrait peut-être adresser cette situation-là aussi, là, les municipalités qui ont des règlements de zonage qui sont contraignants, qui ne permettent pas de faire des choses un peu plus en hauteur, qui, à ce moment-là, obligeraient l'installation d'ascenseurs. Il y a une problématique qui, pour les bâtiments en hauteur, peu importe, ça dépend, demander si en hauteur, ça prend une génératrice, mais un bâtiment avec 4 étages et plus, mettons qu'il demande un ascenseur parce que ça devient trop exigeant pour les gens, même pour vous, de gravir jusqu'au 4e. Le problème n'est pas nécessairement le zonage, c'est vraiment le code de construction. Le code de construction, là, je ne tomberai pas là-dedans parce que je vais vous perdre, mais il y a des bâtiments qui sont... d'un côté de la clôture ou de l'autre côté de la clôture. Puis quand vous montez plus haut que 3 étages, vous venez de sauter de l'autre côté de la clôture et les exigences de construction sont plus élevées, plus dispendieuses. Fait que c'est là-dedans que ça joue. Je ne veux pas vous perdre avec ce discours plâtre. Mais c'est là que ça joue, puis c'est ce qui fait qu'on a des bâtiments qui sont... On essaie de rentrer le plus de logements possible sur un terrain qui coûte... tant d'argent, là, on dit, hey, moi, je vais mettre 4 étages ici, mais j'en mets un dans le demi-sous-sol. Le code le permet, sans ascenseur, puis ça donne ça. Mais le zonage, vous savez, le zonage, c'est pour le bien-être des villes aussi. Là. On ne peut pas se retrouver avec des bâtiments de comme Parc La Fontaine à Montréal. On a une tour de je ne sais pas trop combien, tout seul, là, comment on l'appelle déjà. J'ai oublié le nom, mais enfin, à côté, c'est des 3 étages, des 3 ou 4 étages. Je pense que c'est la beauté de l'aménagement urbain qu'il ne faut pas affecter non plus. Oui. Non, mais oui, c'est bon. Donc, c'est tout. Je sais qu'il y avait encore de l'intérêt à continuer à poser des questions, converser à ce sujet-là, parce que ça nous stimule. Mais ce qui est tant mieux, c'est qu'on va pouvoir continuer à en parler tout à l'heure après le lunch dans les salles 3 et 4.